Ni excuses, ni regrets. Dylan Roof estime que rien ne cloche chez lui sur le plan psychologique. Déclaration en forme de désaveu pour les avocats du tueur de Charleston, car Dylan Roof, c'est l'auteur de la pire tuerie raciste de l'histoire récente des États-Unis. En juin 2015, il avait ouvert le feu 77 fois dans une église méthodiste, tuant 9 paroissiens noirs. Jugé coupable il y a 3 semaines, ce partisan revendiqué du nazisme et du Ku Klux Klan comparaît devant une cour qui doit déterminer sa peine. Il risque la peine de mort ou la prison à vie.